Salman est fou. All right, let's do it. Last Forever, interview, Elora, Isaac, 2, 3, 2, 1, action. 7e chanson de l'album Last Forever. Dans cette chanson, je suis en train de parler de la première fois que j'ai sorti Elora. C'est la première date que j'ai eue avec elle. C'est un moment qui était excessivement stressant pour moi. Je n'avais jamais été dans une date officielle avec une fille de toute ma vie. Et je m'en rappelle encore, je prends le temps de faire un shout-out à ma famille. Ma mère qui était, je crois, à Paris. Je l'ai appelée, j'ai couché. C'était vraiment un moment extraordinaire. Et je suis en train de dire la chanson que j'aurais espéré que ça puisse durer pour toujours. Cette première date-là, c'était vraiment incroyable. Je me rappelle, je l'ai sortie. Je suis venu la chercher. J'avais demandé à mon père de me prêter sa voiture. Donc, je suis venu avec la grosse voiture. Je suis venu, j'ai donné des fleurs à la mère. J'ai donné un bouquet de fleurs à Elora. Je l'ai amené dans un restaurant où est-ce qu'on avait une salle privée pour nous deux. Quand elle est venue, elle avait un manteau avec un foulard. Écoute, j'ai mis le paquet. Après ça, on est sorti prendre un dessert parce qu'elle aime les desserts. On était là à Juliette et Chocolat. Une place pour les desserts qui est très connue à Montréal. Après ça, je l'ai fait se changer dans des événements un peu plus relax pour qu'on puisse aller jouer au go-kart ensemble. Écoute, vraiment, cette date-là était incroyable. Une seule chose qui me dérange avec la date, c'est que j'avais dit à sa mère que j'allais la ramener à la maison à 11h pile. Je suis arrivé 4 minutes en retard. Et jusqu'à présent, j'ai la misère à me pardonner. Et honnêtement, je ne veux pas dire que c'est la faute à Elora, mais c'est sa faute. J'étais supposé de respecter l'heure. Mais il y avait des situations qui se sont passées. Bref, ça pour dire que c'est la seule chose qui s'est mal passée, c'est que j'ai déposé la fille à sa maman 4 minutes en retard. Mais à part de ça, j'aurais espéré que ça dure pour toujours. C'est vraiment incroyable ça. C'est une musique up-tempo qui est juste le fun. So, Last Forever, 7e chanson de l'album. On l'écoute. Yeah, it could last forever, baby. Oh, baby. Je m'en prie à toi. You ready? You ready? It's a good one. Oh. Alright, let me take you back now to the very first time I took you out. Your eyes, they were filled with passion. Remember that moment, you and I just together. Together. I reminisce that day. I'm still amazed. Hey, did I mention how it felt when I held your hand? That same moment we went and never looked back. Everything we had was everything we shared together. Yeah, every moment that we spent has been so precious. Yeah. I just wanna hold you now. Hey. Last Forever, c'était incroyable. Vraiment, cette première date-là était juste incroyable. Toute ma famille était tellement excitée pour moi. C'était la première fois que je chantais avec une fille de ma vie. C'était juste incroyable. Je me rappelle encore mes sœurs. Ils m'ont aidé à tout préparer, le setup. Écoute, c'était vraiment là, tout un travail d'équipe. J'aime ma famille extrêmement. Vraiment, c'était un moment incroyable. Et je me rappelle encore dans le souper. C'est sûr que mes sœurs devaient faire quelque chose comme ça. Ils ont débarqué dans le restaurant, dans notre salle privée. Ils ont commencé à faire du bruit. Écoute, j'ai tellement eu honte, mais c'était un bon moment en même temps. Écoute, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'est comme si tout le monde était dans la première date. Tout le monde était impliqué. C'était juste incroyable. On sort du restaurant. Qu'on arrive dans l'auto, devant l'auto, il y a un... On va même essayer de le mettre dans la vidéo. Il y a une photo que mes sœurs ont mis, que ça dit « We were there too ». Quelque chose comme ça qui est écrit. Yo, thy shall be blessed. We're blessed. Amen. We receive it. C'était juste un moment extraordinaire. Quand j'ai terminé la première date, ma mère m'appelle de Paris. Donc, ça veut dire qu'il y avait comme 6 heures de différence là. Sur moi, il était
comme 11h04. En plus, ma mère m'appelle à 11h pile. Elle, parce qu'elle se rappelait que c'était à 11h. Dès qu'elle m'appelle à 23h, puis je réponds pas, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, je la rappelle, je dis, mange ta vente. Elle dit, ok, non, mais c'est correct, comment ça a été? En tout cas, c'était vraiment un moment extraordinaire. Je vais jamais oublier ça. Vraiment, j'aurais espéré que ça aurait duré pour toujours. Ce jeune-là était juste incroyable et stressant, mais incroyable. Bref, 7e chanson, Last Forever. I hope you do believe.